Yo les potes, c'est MJ. Bien ou quoi? On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne après quasiment 2 mois sans vidéo. Désolé, j'ai pas pu tourner de vidéo, je me suis fait opérer des yeux et plus précisément de la myopie. Donc maintenant, plus lunettes, ça, hop, c'est finito. Et du coup, on est reparti et je vous sors aujourd'hui une big sélection de cardigans. J'espère que ça va vous plaire. Les gars, les cardigans, c'est une pièce qui est ultra chaude en ce moment. Moi-même, j'en ai déjà 5 dans mon dressing. Donc je pense que c'est une pièce qu'il vous faut absolument si vous voulez tester de nouvelles choses dans l'univers de la sape. Et c'est pourquoi je vous ai fait une sélection de fous. Je vais vous lâcher des rêves, vous aurez les tarots, les photos, tout ça dans la vidéo. Et puis, ben écoutez, on est parti tout de suite, alors let's go. Ok, on va commencer par une sélection de cardigans à moins de 50 balles, les gars. Mais du coup, il faut juste savoir que les cardigans, c'est quand même une pièce qui coûte assez cher de base. Donc, c'était assez difficile de trouver des refs de cardigans à moins de 50 euros. Mais je vous en ai quand même trouvé quelques-unes. Allez, let's go, on va voir ça tout de suite. Ok, on commence cette sélection avec un cardigan Bershka que vous allez pouvoir retrouver au prix de 39,99 directement sur leur site. C'est un cardigan tout à fait basique, hein. Il n'a pas de design particulier. Il a juste une très belle couleur, un peu crème, et surtout la matière est faite un peu gaufre, waffle, qui peut rajouter quelque chose à votre tenue. Deuxième cardigan de cette sélection, on va aller tout droit chez Uniqlo. Uniqlo, les gars, marque que vous connaissez sûrement déjà tous, connue pour ses basiques de bonne qualité. Du coup, Uniqlo, il nous propose des cardigans au prix de 49,90. Et ce qui est cool, c'est que vous allez pouvoir retrouver pas moins de 8 couleurs différentes. Ça reste du cardigan classique, mais pour ceux qui n'ont pas encore de cardigan chez eux, je pense que ça peut être une bonne alternative, dans le sens où, si vous ne voulez pas mettre trop d'argent dans une pièce, aller chez Uniqlo et péter un cardigan. Troisième et quatrième ref, les gars, on va aller chez Zara. Donc, je vous ai trouvé deux petits cardigans tout mignons chez Zara que vous allez pouvoir retrouver tous les deux au prix de 49,95. Le premier, ça va être ce cardigan tout doux de couleur marron avec un design assez particulier puisqu'on va retrouver des vagues bleues sur les manches. C'est du coup un cardigan tricoté en fil de coton. On va retrouver un col en V et des manches longues. On a un peu cet effet vaporisé en fait d'imprimer avec les manches qui fait totalement la diff. Et surtout, on va avoir des finitions côtelées. Le deuxième chez Zara, ça va être un gilet effet fourrure de couleur grise qui est vraiment pépite de fou et qui ressemble un peu, pour ceux qui avaient vu ma première vidéo, au cardigan violet que j'avais acheté aussi chez Zara. Du coup, c'est aussi un cardigan en col V avec des manches longues et il tue trop, les gars. Celui-là, il faut sauter dessus avant qu'il soit sold out. On passe directement à la deuxième catégorie. Ça va être les cardigans entre 50 et 150 euros. Donc là, on va retrouver déjà de superbes pièces. On enchaîne, cardigan de chez Weekday que vous allez pouvoir retrouver à 59 euros directement sur leur site. Celui-là, il est tout pépite, il a un design qui sort de l'ordinaire avec des petites flammes en mode tuning, moi j'aime bien. Il est noir et blanc 100% conto. Il est noir et blanc 100% conto. Il est noir et blanc 100% coton. J'ai du mal à le dire. Et fait le taf de fou. On reste chez Weekday pour le prochain cardigan avec là encore une pièce à 59 euros que vous allez pouvoir retrouver directement sur leur site. Ce cardigan, il est un peu plus spécial parce qu'il a l'air d'avoir une coupe différente des cardigans habituels. Il a l'air un petit peu crop et des manches super longues, donc je pense que ça peut être un bail à tester sur une tenue. En plus de ça, il a de superbes couleurs multicolores, donc avec un pantalon noir ou quoi, ça fait le taf de fou. Est-ce que vous savez que Jordan, il faisait des cardigans? Non, et ben moi non plus. Pour cette nouvelle ref, on va directement sur le site Nike. Je vous ai déniché un petit cardigan Jordan tout doux que vous allez retrouver au prix de 64 euros en solde. Il est soldé, là, il y a 50% de réduction, donc vous le chopez à 60 au lieu de 120. C'est une bonne affaire. Là aussi, c'est un design un peu spécial puisque ça ressemble un peu à effet peau de vache, peau de zèbre, comme vous voulez. La qualité, je ne sais pas trop ce que ça vaut. Après, j'estime que pour un cardigan à 120 euros, on peut s'attendre à quelque chose d'assez correct tout de même. Ce qui est bien sur ce cardigan, c'est qu'on ne va pas retrouver le logo de Jordan hyper apparent. Il va seulement être sur la manche gauche brodée. Donc c'est assez léger et c'est cool. Ensuite, je vous ai déniché un petit cardigan d'une marque que je ne connaissais pas qui s'appelle H. Ed Cruel. Alors attention, avant que vous couriez dessus pour commander, je crois que ça vient des US. Donc vous allez sûrement vous choper des frais de douane, ce qui va augmenter le prix de l'achat. Le cardigan de base, là, il est à 85,50 €, mais du coup, si vous avez des frais de douane, vous pouvez facilement vous en sortir à 100-120 balles. Donc attention les gars, je vous aurais prévenu. Donc là encore, c'est un cardigan un peu spécial puisqu'il y a des motifs dessus. On va retrouver trois belles fleurs brodées ainsi que le logo de la marque en haut à droite. Il est disponible en deux coloris, en blanc et en noir.
Donc vous avez le choix. J'avoue, je ne sais pas trop ce que la marque vaut, j'ai jamais commandé là-bas, mais ça m'a l'air d'être safe. Donc je vous le mets dans cette sélection. On commence à monter dans les prix. On passe chez Obey avec un cardigan à 135 euros. C'est ce sublime cardigan patron qu'ils appellent, que vous allez retrouver directement sur leur site. Et c'est un cardigan un peu texturé, un peu fourrure poilu et du coup qui ressemble étrangement à celui de 65 euros qu'on a vu avant sur Weekday. On reste chez Obey parce qu'ils ont sorti tout récemment deux nouveaux cardigans au prix de 135 euros achetables directement sur leur site. Vous allez retrouver une première pièce aux couleurs bleu et marron et une deuxième aux couleurs beige et grise. Ce que j'aime beaucoup dans ces deux cardigans, c'est la coupe qui est incroyable. Et le mélange des couleurs. Vous allez pouvoir matcher ça avec des couleurs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et ça, c'est top. Vous sentez hein, que ça commence à monter un petit peu tout doucement en termes de prix. Et là, on passe à 140 euros avec un cardigan Dickies que vous allez pouvoir retrouver chez Starco. Donc, on va retrouver deux cardigans assez simples. On va retrouver deux coloris, un beige et marron. Et du coup, l'autre en inversant les couleurs, donc marron et beige. Là encore, le logo de la marque est pas trop voyant. Donc ça, c'est cool. Il est uniquement brodé sur une des poches du cardigan. Alors, je vous mens pas pour cette pièce. J'ai hésité longuement à la mettre dans cette sélection parce que je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. En fait, ça fait un peu cet effet cartonné, bizarre, un peu, ouais, un peu colis en fait, c'est très bizarre, mais je me dis qu'il y a un délire, donc je vous la mets. Ça y est les gars, on passe à la troisième catégorie, les cardigans entre 150 et 250 euros, donc là ça commence à bien piquer le porte-monnaie. Et quoi de mieux que de commencer cette catégorie avec un cardigan de la marque Arte. Les gars, Arte, ça a vraiment le vent en poupe en ce moment et c'est en train de péter fort partout. Et c'est mérité parce qu'ils proposent vraiment des produits de qualité avec des designs recherchés et des matériaux qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc voici le cardigan, il est incroyable, il est tout doux, il est pépite. C'est un cardigan d'une couleur bleu ciel, une couleur déjà qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et en plus de ça, j'aime beaucoup la matière, donc cet effet un peu waffle, gaufre, qui je trouve rajoute un bel atout au cardigan. Pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, j'avais été au magasin d'usine Carhartt en Allemagne et là-bas j'avais pété un cardigan Carhartt rouge et noir. Du coup, je me suis dit que dans cette sélection, j'allais vous mettre la ref, mais dans un autre coloris. Du coup, le cardigan, le voici, il est tout beau, il est noir, blanc, brun. Et il fait le taf de fou. Pour avoir acheté cet article, je peux vous confirmer que la coupe est vraiment très stylée. Et en plus de ça, la qualité, elle suit. C'est un cardigan qui est assez balèze, qui est assez costaud et qui tient chaud. On retourne chez Arte. Vous savez que j'adore cette marque. Donc, je ne pouvais pas ne vous mettre qu'un seul cardigan dans cette sélection. Je vous en ai mis deux. Par contre, là, les tarots, on commence à monter 180 balles pour le cardigan. Si pour les fêtes de Noël, vous ne savez pas encore comment vous habiller, je pense que ce cardigan, il peut faire le taf. Du coup, le cardigan, il est là. Il se présente comme ça. On va retrouver du coup sur le devant plein de petits cœurs et rien sur les manches. Et je trouve qu'il est tout mignon. Il fait le taf de fou. Là, pareil, pour avoir déjà eu un cardigan Arte, je peux vous confirmer que la qualité, elle suit et que la coupe est au rendez-vous. Dernier rêve de cette catégorie, on va tout droit chez ceci. Vous connaissez les prix pour ceci, ici ça va être un cardigan au prix de 160 euros. Du coup, le cardigan, le voici, il est tout simple, il est classique. Vous allez pouvoir le retrouver en trois coloris différents, en rose, que je me suis d'ailleurs acheté, en noir et en couleur olive. Du coup, moi le cardigan, je l'ai déjà reçu, je ne vous le montre pas parce que je vais vous le montrer dans une prochaine vidéo, mais il est très 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 tout doux. Sur ce cardigan, vous allez retrouver un col en V, des boutons en perles et cet effet un peu moumoute, un peu fourrure, très léger qui fait la différence. Dernière catégorie, là ça va être vraiment pour mes boucles qui sont en place, hein, pour ceux qui vivent bien. Je l'ai appelé, il n'y a plus de budget, on est au-dessus de 250 euros. Premier cardigan, on va aller chez Kid Super Studio. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque super intéressante qui propose des articles au design un peu fou, mais auquel j'accroche beaucoup. Voilà le cardigan, il est en mohair, il est tout doux, il est couleur crème et il a un design très 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 stylé. Au niveau du prix, je sais que vous l'attendez, c'est 295 dollars. Donc en euros, on va être aux alentours de 320-325. Et en plus de ça, il me semble que ça vient de Londres, donc vous allez sûrement payer des frais de douane. Donc là, on est sur une pièce à clairement 400, 415, 420 balles. C'est bon pour vous? Si j'avais l'étal perso, je l'aurais déjà acheté celui-là. On enchaîne, on va chez Represent. Ils ont un cardigan full black avec des petits détails au prix de 300 euros. Sur ce cardigan, vous allez retrouver le R de Represent
imprimé plusieurs fois à différents endroits, ce qui fait le taf. Et en plus de ça, le cardigan est 100% en laine et j'ai envie de vous dire encore heureux à ce prix-là. Bon, là aussi, on commence à aller dans des bails un peu plus fashion week, un peu plus spécial, mais c'est ça qu'on aime. Nous, on veut trouver des pépites et je vous ai déniché un cardigan mama, celui-là, il est trop fou. Il est trop fou. Du coup, on va chez Slam Jam, donc qui est un site de revente de différentes marques. Et là-dessus, ils ont un cardigan de la marque No Maintenance que vous allez retrouver au prix de 305 euros, mesdames et messieurs, seulement 305. Et je sais pas quoi vous dire, je vous mets tout de suite la photo. Il est pas incroyable, les gars, sérieux. Du coup, ce cardigan, ce qui est vraiment incroyable dessus, c'est le design. J'aime beaucoup cet effet dégradé de couleurs, donc du bleu, bleu clair, bleu foncé et du brun. En plus de ça, on a la matière, donc cet effet un peu fourrure laine qui fait un rendu de fou. Allez, on monte encore en tarot et en difficulté d'achat, puisque cette fois-ci, je vous emmène chez la marque Unused. C'est une marque japonaise qui se situe au Japon. Donc là, c'est pareil, si vous voulez acheter frais de douane, tout le tralala qui va avec, donc ça monte encore le tarot de l'article. Mais je pouvais pas ne pas vous le mettre dans la sélection parce que je trouve la marque très cool, ils font des choses archi chouettes. Donc si vous voulez aller jeter un coup d'œil, n'hésitez pas. Et pour le cardigan, le voici, c'est un cardigan au dégradé rose. Et je trouve que la couleur est folle, en plus d'avoir une coupe qui semble ben, parfaite en fait. Vous allez pouvoir retrouver ce cardigan au prix de 52 000 yens. Je crois que ça fait 350 euros, quelque chose comme ça de mémoire. Donc là, c'est pareil avec les frais de douane. Allez, 400, 450 euros le cardigan. Ne nous arrêtons pas en si bon chemin, les gars. On va directement chez Maison Kitsune. Deux cardigans. Un cardigan disponible en deux coloris au prix de 370 euros. Un premier cardigan de couleur noire et fuchsia. Et un deuxième noir et gris. Il est rayé avec le logo Maison Kitsune inséré dans un petit drapeau. Ce que j'aime bien dans ce cardigan, c'est que c'est le premier rayé que je vous propose. Et en plus de ça, le logo Maison Kitsune est amené d'une façon différente des autres articles du site. Encore plus, elle me dit, on veut des cardigans plus chers. Boum, on va directement chez Acne Studio, 420 balles. C'est bon, ça vous va? Du coup, petit cardigan tout mignon, tout rose, en laine mélangée. Le cardigan, il a des petits losanges avec des petits bonhommes carrés qui font un peu penser à Géométrie Dash, mais je trouvais que le design était assez osé et j'aime beaucoup la coupe. Comment faire une sélection de cardigan sans parler du cardigan Ami Paris? Il est là dans la sélection au prix de 430 euros. Le cardigan, le voilà. Ça reste des cardigans classiques puisqu'il n'y a pas de design particulier. On va y retrouver le logo AMI en gros sur le cœur. Il va être disponible en trois coloris, en beige, en gris et en noir. Personnellement, je craque plus pour le beige. AMI, c'est cher, mais je peux vous confirmer que c'est de bonne qualité. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas à sauter sur l'occasion. À savoir que ces cardigans sont souvent en solde lors des périodes de solde ou de fête. Donc, bellec à vous. Regardez bien. C'était le dernier cardigan de cette sélection, mais je ne pouvais pas vous laisser sans une dernière pièce. Là, vous allez me tuer, les gars. On va chez Gucci et je vous présente ce cardigan reversible à carreaux en laine au prix de 2300 euros. Vous avez bien entendu, 2300 euros. Si tu bosses bien et que tu vis, mon pote, ce cardigan, il est fait pour toi, il est incroyable. Du coup, le cardigan, il est bleu reversible. Sur la première face, on va retrouver des simples carreaux et de l'autre côté, ça va être le monogramme Gucci. Du coup, tous les articles que je vous présentais dans cette vidéo étaient disponibles à l'achat et le sont encore aujourd'hui. Mais j'aimerais vous parler de deux rêves de cardigans disponibles au resell, malheureusement, mais qui, selon moi, méritent toute leur attention. C'est deux cardigans suprêmes qui sont, du coup, aujourd'hui sold out, mais que vous allez pouvoir retrouver sur des sites de revente tels que StockX ou même sur Vinted. Alerte les gars, faites gaffe aux fakes et surtout ne mettez pas non plus trop d'argent dans ces pièces-là. Le premier cardigan, ça va être ce cardigan suprême torsadé avec un effet patchwork de couleur ivory, du gris. Il est juste fou, il est phénoménal. Si j'avais eu l'argent quand il était sorti, celui-là, je peux vous dire que je l'aurais acheté. Du coup, là, si vous voulez vous l'acheter, là, je suis sur StockX. Suivant votre taille, on va être en moyenne à 500 euros. Voilà, 500 euros le cardigan. C'est de nouveau une pièce qui coûte assez cher. Et le deuxième cardigan, là aussi, sold out d'un drop suprême, mais cette fois-ci en collaboration, c'est le suprême Lacoste. Donc, il est super chouette. On retrouve le logo Lacoste au niveau du cœur et le logo suprême brodé sur la main droite. Si vous voulez vous le procurer, celui-là c'est pareil, il va falloir sortir un petit billet parce qu'on ne sera pas en dessous des 400 euros. Voilà les gars, on est à la fin de cette vidéo sélection cardigan, j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez trouvé votre bonheur. Nous on se retrouve dans 2 semaines ou 3 semaines pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram que je vais mettre juste ici.
mon TikTok, parce que j'ai mis un peu 2-3 TikTok, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous abonner. Et puis on perd pas les bonnes habitudes, comme d'hab, je vous laisse avec un son à écouter. Les gars, Ajna, c'est trop de la bombe, il faut tuer. En plus, il a sorti un nouvel album, alors allez saigner ça. Ciao les gars, c'était MD. Je m'arrache à lire des livres de l'ancien temps. La finité de l'homme, j'ai juste pas le temps. Et tout hate, muselé tympan. T'as été ma muse, j'ai plus le temps. Écoute les bars, tu finis chez les peu bons. Découpe des prods de gim dans les bas fonds. Ma chérie, elle est pimpante.